Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en fait sur... ce sera une vidéo découverte. Donc c'est sur un jeu et ce jeu c'est Minigore. Donc un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc en fait au début on a ce personnage là. Et petit à petit on peut en débloquer grâce au nombre d'éliminations qu'on fait. Donc moi j'en ai débloqué quelques-uns quand même. Et maintenant j'économise pour lui, bon, qui est vraiment très très dur à avoir quoi. Donc je vais utiliser ce personnage pour vous montrer. Alors il y a plusieurs modes, il y a plusieurs maps aussi. Donc la map qui était avant, c'est pas la même que elle, mais c'est le même principe en fait. Donc il y a le mode normal, il y a le mode expert et il y a le mode insane. Bon, je sais pas ce que c'est, bref. Donc je vais vous montrer le mode normal, expérience et insane. Bon, le mode normal, je vais pas y rester longtemps parce qu'il est trop simple en fait. Donc en fait, c'est des petits monstres comme ceci qu'on doit tuer. Et bon, bah, mon record c'est 10 000 en mode insane, moi j'ai fait. Et voilà, donc bon, je vais pas rester longtemps sur cette map. Hein. Et en fait, on a 3 cœurs. Ah ouais, mince, on voit pas. On voit pas puisque je record en fait, mais en haut à gauche, j'ai 3 cœurs et je peux me faire toucher que 3 fois, sinon après je meurs. Après pareil, au milieu, c'est le nombre de kills que je fais. Et puis à droite, ben c'est pour faire pause quoi. Donc après, on peut récupérer des petites fleurs en tuant des ennemis. Donc j'attends qu'il y en ait une pour vous montrer. Enfin, j'en ai déjà récupéré une, mais une fois qu'on en a 3, on se transforme en gros monstre. Et on peut tout tuer en fait. Donc... J'attends un peu, mais moi j'aime vraiment bien ce jeu parce que on peut bien se défouler dessus. Et puis, ouais, j'aime bien. Vous voyez, c'est ces petites fleurs que j'ai récupérées. Si j'en ai 3, et ben ça me transforme en monstre et je suis invincible pendant quelques secondes. Donc, allez, une dernière fleur. Vous voyez là, après il y en a de plus en plus gros. Il y a des petits comme cela, il y a des moyens et il y a des énormes. Donc j'attends la dernière fleur. Ah ouais, après vous pouvez récupérer des petites armes. Donc voilà, il y a les fusils à pompe comme cela et il y a les lance-grenades. Là j'ai perdu un cœur par exemple. Voilà, et là, boum, je me transforme en monstre. Et là, boum, je peux tout défoncer. Bon, en fait, le monstre, il a quelques levels. Là, c'est le level 1, donc on reste pas longtemps en gros monstre. Mais après, plus on a de haut level, plus on reste longtemps. Après, le mode expert, c'est un peu plus difficile que le mode normal. Donc, je vais directement vous montrer le mode... expert très difficile. Donc vous voyez, il y a même des nouveaux monstres. Ce sont les rouges, ça équivaut un peu au creeper, on va dire. Ça explose en fait. Donc voilà, ça c'est un énorme par exemple. Vous voyez, tac tac. Et après il y a un mode multijoueur, mais le problème c'est que c'est que si on est dans la même pièce, c'est sur le même réseau quoi. Donc par exemple je peux jouer avec un ami qui est chez moi, mais bon voilà. Donc je ferai des vidéos avec un ami un jour, sûrement. Je ferai peut-être une série dessus, enfin une série, quelques parties des fois, comme ça, pour se défouler, ou quelque chose comme ça, sur Minigore. Et voilà, quoi. Donc, après, pas chaque personnage, mais certains personnages ont des coups spéciaux, en fait. Enfin, ont des capacités spécifiques qui est... ça dépend, en fait. Qui sont, par exemple... mon personnage, là, il a 2 armes. Après, il y a un autre personnage, c'est le ninja. Voilà. Vous voyez ces petites bestioles, là? Eh ben, ça, c'est... Je sais pas pourquoi il y en a, mais voilà. Faut les tuer, quoi.
C'est vraiment dégueulasse. Donc, après, il y a un autre personnage, c'est le ninja. Quand il se fait toucher, il va super vite. Il y a quoi d'autre? Voilà, là, j'ai le lance-grenade. Après, il y en a. Ouais, voilà, il y a plein de trucs. Ce jeu est gratuit, vous pouvez le télécharger, évidemment. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, ouais, moi, mon record dans ce mode-là, c'est 10 000. 10 200, je crois, un truc comme ça. Voilà, là, je suis mort. Ouais, 10 100. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah moi, j'ai pris plaisir à la faire, en tout cas. Donc, on se retrouvera sans doute pour un nouvel épisode plus tard. Mais la prochaine vidéo, ce sera une vidéo de Clash of Clans qui se trouve là. Et voilà. Donc, c'est samedi, quoi. Si vous voulez le télécharger. Donc voilà, allez, salut à tous.